Entre les pages jaunies d'un manga où l'encre se dérobe sur le papier pour raconter l'histoire, existe un trésor littéraire d'une splendeur sans égale, One Piece. C'est bien plus qu'un simple manga, c'est une œuvre inégalée qui captive par son intrigue ardente, ses personnages inoubliables et son univers foisonnant. Cependant, malgré l'éclat indéniable de One Piece sur le monde, une question persiste toujours. Pourquoi cette œuvre qui a conquis le cœur d'une multitude de personnes se voit encore être malmenée pour sa première partie, jugée comme trop longue et ayant mal vieilli? Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter mon avis et de vous convaincre de la qualité exceptionnelle de One Piece Prélipse. Alors, est-ce réellement un joyau du manga malgré l'opinion souvent partagée autrement? Pénétrant dans les nuances de cette question et faisant taire une bonne fois pour toutes les personnes de mauvaise foi. La richesse du monde de One Piece Prélipse est comparable à un trésor aux multiples facettes. Ce n'est pas simplement un décor pour les aventures de Luffy ou son équipage, mais une toile complexe où chaque détail a son importance pour le futur de l'histoire. Les îles exotiques, aux paysages aussi divers que spectaculaires, deviennent des acteurs à part entière dans cette saga de piraterie. Oda dépeint des contrées étranges et fantastiques, des villes florissantes aux civilisations insulaires, créant ainsi une palette d'environnements qui donne vie à cet univers. Ce qui distingue véritablement One Piece dans ses débuts des autres shonen du genre, c'est la manière dont Oda explore la diversité des océans. Chaque mer, chaque courant, chaque île est soigneusement pensée et créée, conférant une personnalité unique à chaque lieu. Les océans ne sont pas seulement des étendues d'eau, mais des mondes eux-mêmes, avec leurs propres mystères, dangers et légendes. Cette profondeur crée une immersion exceptionnelle, faisant ressentir au lecteur ou au spectateur que le monde de One Piece est une entité vivante, en constante évolution. Les différentes races et cultures qui peuplent cet univers ajoutent une couche supplémentaire à cette complexité, créant ainsi une dimension sociale et politique à son histoire. L'attention méticuleuse apportée aux détails et le souci du réalisme dans la construction de cet univers font qu'amplifier le sentiment de réalité dans l'imaginaire. En conséquence, chaque nouvelle île explorée devient une aventure en soi, non seulement pour les personnages, mais aussi pour le lecteur ou le spectateur qui découvre une facette inédite de ce monde de pirates. C'est cette élaboration minutieuse qui donne à One Piece Prélipse une profondeur narrative et une immersion incomparable. Les personnes mentent, mais pas les chiffres. Il n'y a qu'à faire quelques recherches pour se rendre compte de la suprématie du prince dans le royaume des mangas. En effet, l'œuvre d'Eiichiro Oda s'est hissée au sommet du podium en tant que manga le plus vendu de tous les temps. C'est une réalisation qui va bien au-delà de la simple reconnaissance. Les ventes de One Piece sont et resteront le témoignage de sa réussite, et ce n'est pas dû au fruit du hasard, mais d'une alchimie unique entre narration, humour, univers et personnages. La clé de ce succès monumental réside dans la qualité exceptionnelle de l'œuvre. One Piece n'est pas simplement une aventure de pirates, cela dépasse ce simple stade. L'aptitude d'Oda à créer des histoires entrelacées, à orchestrer des moments poignants et à surprendre constamment son auditoire montre la maîtrise narrative qui sous-tend chaque page, chaque arc. La popularité de One Piece n'est donc pas seulement un indicateur de vente, mais un témoignage de la pertinence et de la puissance de son contenu. Elle affirme qu'au-delà des simples chiffres, cette saga a réussi à tisser des liens émotionnels avec son public, transcendant ainsi les barrières de la langue et de la culture. En fin de compte, la grandeur de One Piece se mesure non seulement à sa place dans les classements de vente, mais à la place qu'elle occupe dans le cœur des millions de personnes à travers le monde. Instinct d'humour subtil, des gags mémorables et des moments comiques qui s'insinuent dans chaque recoin de l'histoire, l'œuvre d'Eiichiro Oda ne se contente pas seulement de captiver par son intrigue complexe. Elle a réussi également à se hisser comme une des œuvres les plus drôles que j'ai pu voir. Osez me dire que vous ne vous souvenez pas d'une des scènes hyper drôles de One Piece Prélipse, c'est impossible. Oda ne se limite pas à l'humour de caractère comme j'ai pu voir et lire sur les différents réseaux sociaux. Il excelle également dans l'art du running gag, des récurrences hilarantes, les jeux de mots, les parodies, les références subtiles à la culture populaire japonaise et internationale sont également des ingrédients essentiel de l'humour dans One Piece. Oda maîtrise l'art de jouer avec les attentes du lecteur et tout cela ajoute une dimension comique qui devient une signature distinctive de One Piece. Bien que l'animation de One Piece Prélipse ait connu des défis inhérents à la longévité de la série, elle n'en demeure pas moins un aspect crucial de son succès global. Les studios d'animation ont fait preuve d'une créativité et d'un dévouement sans faille pour donner vie aux aventures épicées de Luffy et son équipage. L'animation n'est pas simplement au service des moments d'action, elle sert également à capturer les subtilités émotionnelles qui font la richesse de One Piece. Des moments poignants aux éclats de rire, l'animation s'adapte aux nuances de l'histoire pour transmettre efficacement les émotions des personnages et renforcer ainsi l'impact narratif. Il est inévitable de mentionner les contraintes auxquelles l'animation de One Piece a été confrontée en raison de la longueur de la série. Des épisodes avec un budget restreint ont été critiqués par leur qualité par rapport à des arcs plus récents. Malgré cela, je pense comme beaucoup que l'animation de One Piece Prélipse reste avec ce contexte néanmoins exceptionnel et a su vieillir convenablement, comme un bon vin.
Plonger dans l'univers de One Piece Prélipse, c'est s'aventurer au cœur d'un trésor narratif d'une rare splendeur. Malgré les critiques qui pointent du doigt la longueur de sa première partie et la prétendue vieillissement de certains aspects, l'œuvre d'Eiichiro Oda continue de rayonner comme un bijou intemporel du monde du manga. Une œuvre qui a su résister à l'épreuve du temps et a captivé des générations de fans à travers le monde. Alors que cette passion pour cette épopée de piraterie perdure, je vous en conjure.